Thank you.
Ouais. Merci de votre participation aussi, c'est chouette que vous ayez tapé dans les mains. On aura d'autres occasions de le faire tout à l'heure, mais vous savez, comme on n'est que trois sur scène, c'est difficile de se lever pour vous engager et vous inviter à frapper dans les mains, puisque, et ce sera la première découverte à propos de l'Orgamon ce soir, vous voyez qu'il n'y a pas de bassiste sur scène, pour la bonne et simple raison que le bassiste est ici. Dans les trios d'orgue de jazz, la basse, c'est la main gauche de l'orgue. Et l'organiste ne peut jamais s'arrêter de jouer de la main gauche. Alors, ça a une grande qualité. Ça permet au pianiste qui est à l'intérieur de l'organiste, c'est-à-dire la main droite, d'être toujours d'accord avec le bassiste. Ça fait déjà deux musiciens d'orchestre qui sont ensemble, c'est déjà pas mal. Mais en revanche, c'est interdit de se lever pour taper des mains. On va changer de mort de style tout de suite, mais peut-être que c'est lui qui vous indiquera des choses à faire avec ses baguettes. On va vous jouer maintenant une chanson très différente. C'est plus du pure swing, c'est plutôt une chanson qui a une couleur d'Amérique du Sud. C'est un morceau célébrissime, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu dans ce style d'interprétation, puisque là on va vous le jouer en valse, c'est-à-dire en musique à trois temps. Et ce sera peut-être la première fois parce que ça s'appelle, et la chanson vous la connaissez, Bésame mucho.
Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, besame mucho. Lorsque nous avons été invités par l'équipe du festival, la présence de l'orgue était bien entendu l'élément prépondérant et le plus important, puisque c'était une soirée qui devait être un petit peu dédiée autour de la découverte de cet instrument. Alors je commence à vous en parler un tout petit peu maintenant. J'ai dit un mot tout à l'heure au niveau de la basse. Je vous en dis juste un autre maintenant sur cette chose un peu mystérieuse qui trône au milieu de la scène et qui, non, n'est pas du mobilier de famille, mais bel et bien un amplificateur qui s'appelle une cabine Leslie. Et qui est un amplificateur qui s'adapte parfaitement avec le son de l'orgue, mais aux grandes dames de l'inventeur de l'orgue lui-même. Je vous explique, Lawrence Hammond, qui était l'inventeur de l'orgue, avait créé cet instrument pour équiper l'intégralité des chapelles aux États-Unis. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un orgue liturgique, et c'est un orgue liturgique. Vraiment, c'est ce que c'est. Et puis, les jazzmen, surtout un certain Jimmy Smith, l'ont récupéré, et on en fait un instrument de jazz en l'associant à cet amplificateur-là, inventé par Don Leslie, une cabine Leslie ça s'appelle, qui n'était au départ vraiment pas faite pour équiper les églises, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui a créé ce son si chaud, si caractéristique, que vous retrouvez dans les enregistrements de jazz, mais aussi des Pink Floyd, des Doors, dans certaines musiques de films. Et je vous montre juste une petite minute de quoi il s'agit. Alors l'orgue, en soi, est un orgue, c'est-à-dire que c'est fait pour aller à l'église. Éventuellement, on peut faire ça. Non, j'ai obligé de le dire un parce que mon pied de micro s'est cassé. Et ce que vous me voyez faire avec mon pied gauche en permanence, non, ce n'est pas un tic nerveux. Je commande la vitesse de rotation des haut-parleurs à l'intérieur de ce hub. Ce sont des haut-parleurs qui tournent. Alors vous allez voir, quand je la mets en route, il se passe tout de suite quelque chose. Ça, vous voyez, pendant un petit moment. Et on va vous jouer tout de suite un morceau dans lequel ce son-là sera en lumière. C'est une chanson des années 60 qui s'appelle... Alors c'est rigolo parce que ça a une couleur un peu caribéenne et le titre c'est Canadian Sunset. On espère que vous allez l'apprécier. Thank you.
On va revenir à des choses qui sont beaucoup plus jazz. On va vous jouer un des morceaux qui est un des rares tubes de l'histoire du jazz. Vous l'avez peut-être découvert sur un disque d'un orchestre qui s'appelle les Jazz Messengers d'Art Blakey. Le disque portait le nom de ce morceau-là. C'est vraiment, sincèrement, un des rares tubes. Ça s'appelle Money. Thank you.
On va calmer un tout petit peu. Le jeu en faisant une balade. Avant ça, je vous dis un dernier mot à propos de l'orgue et de la cabine Leslie. Vous l'avez entendu de nombreuses fois, sans le savoir, au cinéma. Dans ces films qu'on appelle, vous savez, les Flying Saucers. Les Flying Saucers, ce sont ces films de science-fiction des années 50 où vous voyez manifestement dans le dos de l'extraterrestre une belle fermeture éclair de combinaison de plongée. Vous voyez les fils en nylon qui tiennent la soucoupe volante, qui est une soucoupe vraiment. Voilà, ce sont ces films un peu doc de science-fiction, mais imaginez, à l'époque, les gens sortaient des salles de cinéma en hurlant tellement ils avaient peur. Aujourd'hui, ça a bien changé. Et dans les Flying Saucers, vous entendiez souvent la cabine Leslie et l'orgue Hammond qui faisait ça. Je vais vous le faire. Alors, bien sûr, hein, à l'époque, il n'y avait pas de synthétiseur. Alors, quand l'extraterrestre arrivait, ça faisait... Ça vous dit quelque chose, ça, non ? Ouais, vous avez déjà entendu. Eh bien, c'est Planète Interdite. Et l'extraterrestre, c'était l'orgue Hammond et la cabine Leslie. On va vous jouer tout de suite une balade qui s'appelle Round Midnight. C'est ce qui a inspiré Bertrand Tavernier, le titre de son film Autour de minuit. C'est très célèbre, c'est très beau. Ce sera l'occasion d'entendre une fois de plus le son chaleureux, suave, délicat et virtuose de Monsieur Karim Aladi. Karim, s'il vous plaît. Thank you.
Sommeil, le guitare héros. Vous savez, le guitare héros, c'est Jimi Hendrix, l'essence à Zippo sur la guitare, il joue avec les dents, etc. Au sein de chaque guitariste, au fond de lui, il y a toujours cette image-là qui l'a fait rêver quand il était enfant ou adolescent, et de se dire « Ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et on a décidé de faire, bon, ce set, un petit moment guitare hero. Donc on va faire du guitare hero. Qu'est-ce que vous voulez? On passe par là, on n'a pas bien le choix. Donc Karim va faire le guitar hero et on va un peu l'aider. Allez Karim, c'est à toi. Vas-y, Jimi Hendrix. Thank you.
Nous sommes pris par l'heure, puisque nous ne sommes que la première partie ce soir, mais bon, après cette bonne vingtaine de minutes de rappel déchaîné, montre en main, on va vous faire un dernier morceau, mais avant d'entamer ce morceau, deux choses. Vous avez peut-être remarqué que j'étais un peu bavard. Alors, la première, c'est que ce soir, nous étions là, nous avons pris un énorme plaisir à jouer pour vous. Vous étiez chaleureux, vous nous avez supporté, vous étiez attentif, c'était extrêmement agréable. On a fait la musique, mais si vous avez pu l'entendre, si vous avez pu nous voir, c'est grâce à Christophe, Baptiste et Amel, l'équipe de la technique du siècle. Je vous dirai également aussi que j'en parlais tout à l'heure au repas, on a été extrêmement bien accueillis ici pour l'équipe du festival. Ce sont des gens formidables qui, avec beaucoup d'amour, ont organisé ça. J'ai pris le temps d'échanger avec Michel tout à l'heure de Jazz en Live. Je disais, voilà, les gens qui sont susceptibles d'organiser ça, de faire tout ça, de mobiliser leur énergie, de se mettre ensemble, de se réunir, préparer ça en amont, sont beaucoup plus rares que les bons musiciens. Croyez-moi. Des bons musiciens, on en connaît plein, mais des gens capables de faire ça sont très, très, très rares. Alors l'équipe derrière Jacques aussi, Francis, Mireille, toutes ces dames qui nous ont accueillis, on va vous dire voilà, merci, parce que la musique vivante existe, parce qu'il y a des gens comme vous qui sont là pour organiser ce genre de truc, et franchement, les artistes doivent juste s'incliner et vous remercier de faire tout ça. Merci beaucoup. Donne du temps, de l'énergie pour faire ce truc-là, ça s'appelle de l'amour en fait, il n'y a pas de meilleure définition. On va terminer, ouais, c'est vrai. Et on va terminer tout de suite. Allez, on va faire court pour pas gêner l'orchestre qui attend pour jouer. On va vous jouer un truc un peu particulier, on revient sur le swing, juste comme au tout début du concert. C'est une chanson qui, dans sa forme originelle, est une question-réponse entre un homme et une jeune fille. L'histoire est assez simple, hein. La jeune fille est chez le monsieur. Il est tard et elle veut rentrer. Et donc, bien sûr, le monsieur lui explique que si elle sort, il fait tellement froid qu'elle va à tous les coups attraper une maladie horrible. Donc, toute l'histoire de la chanson, c'est « Bon, bah, je vais y aller maintenant. » Il fait « Ah, mais non, mais tu rigoles, regarde, la neige tombe !»« Non, mais il va vraiment falloir que j'y aille. Oh, mais au milieu de cette neige, mais tu vas mourir, tu te rends pas compte. » Voilà, il y a un jeu de questions-réponses entre le monsieur et la dame. Ça s'appelle « Baby, it's cold outside. » Ne sors surtout pas, il fait trop froid. On va vous faire ça entre la guitare et l'orgamone, hein, donc il y aura une voix de fille, une voix de garçon. Je vous fais pas un dessin, hein, pour faire la voix de fille qui a été choisie, c'est normal. Hein, c'est... Forcément, hein, la guitare, c'est un instrument plus féminin, quoi. Alors, on termine rapidement avec ce morceau. Après, je me tairai, je dirai plus rien, juste un immense merci. C'était chouette de jouer pour vous ce soir. On vous fait des bises. Si vous aimez le jazz, que vous passez à Lyon, venez à la Clé de Voûte. Si vous aimez le jazz et que vous êtes de Montélimar, revenez tous les ans ici pour que l'équipe de jazz, de Jack, pardon, puisse continuer à faire exister ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Ce soir, à l'Orgamone, c'était notre maître de cérémonie également, Stéphane Chaza. Thank you.
applaudissements, Stéphane Vincenzo. À très bientôt, merci.